Bonjour à tous. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les modifications que je viens de faire ici. Juste pour vous montrer. Je mets de là. Vous voyez. J'ai attaché un grillage ici. Je l'ai fait descendre jusqu'en bas. Donc j'ai fait tout du long ici. Là, je vais mettre les concombres à grimper. C'est Jaco qui m'a donné une idée sur sa vidéo de hier, qui voulait faire justement grimper ses concombres avec autre chose. Donc voilà. Donc j'ai préparé ça ce matin. J'ai fait. Donc pour bien vous montrer. Donc ce côté de serre, concombre. Au milieu, donc j'avais mis un grillage que sur la dernière vidéo vous avez vu. Donc là, je vais mettre les cornichons ce côté-ci. Et l'autre côté, je vais mettre des plantes de bourrache. Justement pour polliniser. Donc après ici, donc je vais mettre butternut, potimarron, melon, pastèque. Donc la pastèque va venir ici. Comme c'est ici, il y a plus de soleil, je vais mettre ça ici. Donc bah, là au fond, bien sûr, c'est comme d'habitude, j'ai mis des betteraves. Donc on voit, vous voyez, hop, ça repousse partout. Donc je vais laisser bien pousser pour en récupérer. Bon, les betteraves, pour l'instant, rien. Donc ici, j'ai fait un petit bac pour vous montrer. Et voilà, ça sort. Et la bourrache. Pour faire un... Ici, un petit au fond, là, pour faire un mur pour les pollinisateurs. Je vais vous montrer plus loin. On passe par ici. J'ai de belles feuilles. Le pêcher. Alors comme je l'ai montré ici, il y a eu gelé encore ce matin. Voilà. Framboisier qui reprend. Donc ça c'est le figuier, vous voyez. On voit toujours les bourgeons. On va aller plus loin. Donc la serre est là. Et ici j'ai ma cuve. Que je pense prendre une plus grande. Donc voilà. Donc ici j'avais semé des petits pois. J'ai dû faire la méthode à Toto. J'en ai mis plein. Et donc là j'ai monté une structure. Vous voyez. J'espère qu'ils vont prendre parce que sinon bah tant pis, on verra bien. Voilà. Donc comme ça je les ferai grimper dessus. Donc, les artichauts pour vous montrer un petit peu. Ils se portent toujours bien. Pareil. Donc, je garde le sol humide et j'ai mis du paillage. Pareil. Pareil. Donc ici, je vais laisser celle-ci. Puis... J'en ai là et là. Encore un autre ici. Voilà. Alors le kiwi, maintenant, on a eu quelques coups de gelée, mais regardez. Il veut bien se mettre au point. Voilà, vous voyez ici, là, il reprend, donc c'est bien, et j'ai mis de l'engrais en granule, pour l'aider. Donc,
topinambour toujours, qui pousse. Donc là, j'avais des patates qui n'étaient pas tout à fait germées. Bon, en fin de compte, j'ai tout tapissé ici. Je vais voir après ce qui va me rester en semences que j'ai fait, en préparé. Mais là, donc, c'est d'autres patates que j'avais mis. Donc, là, je vais préparer les petits pois. Je vais replanter les petits pois. Voilà, je vous reprends. Voici. Hop, là je vais repiquer les petits pois, quelques-uns, vous voyez. Voilà, ça fait de belles racines. Voilà, je vous reprends. Voilà. Donc là je les ai disposés tous les 25 cm. Bien remué. Allez. Je vais vous montrer, ça va jusque là. Il va me manquer un mètre. Plus d'un mètre, mais j'en ai d'autres encore. Donc voilà ce que je vais vous montrer ici. Voilà, je remue bien et je mélange. Voilà, je vous reprends. Voilà, pour montrer, il m'en reste 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il m'en reste 10. On va voir une fois fini là-bas. Voilà. Donc après, il me reste ici à mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai à peu près 6 à mettre ici. Et après, je vais étaler si j'ai tout le reste. Voilà, maintenant je vais arroser. Et voilà, pour finir, j'ai fait des petits pois. Maintenant, je vais vous montrer ce qui reste en semis. Donc, tomates, vous voyez, toujours. Voilà. Ça, c'est de la pyrose. Ça, c'est violette. Et violette, vous voyez, elle sort tout doucement. Aubergine. C'est vrai qu'elle pousse pas tant que ça, hein. Je trouve. Ouais. Poivron. Alors là, c'est brocoli qui commence à sortir. J'en ai mis. Ah, ici, j'ai mis butternut. Je l'ai mis partout là. Alors. C'est mes propres graines que j'ai récupérées de l'année dernière. C'est celles que j'ai récupérées sur une culture. Ce qui m'en restait, mais j'ai voulu tenter pour voir si elles sont bonnes ou pas. Courgettes que j'ai repiquées. Toujours l'autre. Elle a mis du temps, mais... Et ici aussi, regardez. Ça sort. Voilà, potimarron qui sort, ici. Et un autre ici. Donc, concombre. Voilà. Un autre là. Donc, ici, tomate, mais rien du tout. Alors ici, donc j'ai mis une salade au centre, comme je vous avais expliqué. Celle-là, je vais la laisser grandir dedans. Et j'ai mis des oignons ici.
Oui, ça sort. Et pour vous montrer une excusez-moi la pastèque qui sort tout doucement, mais j'en ai mis plusieurs, mais il n'y en a qu'une pour l'instant qui a pris, et dans les autres ça sortait. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu comment il fait, parce que là il fait super beau aujourd'hui. Il fait plus de vin. Donc là, j'ai mis une graine de pastèque, vous voyez, et j'ai mis du verre dessus, mais rien du tout. Tournesol. Ils grandissent tout doucement, donc je les mettrai après les 5 glaces. Parce que sinon, j'avais essayé l'année dernière, mais ça a été un échec. Et ici, bien sûr, toujours mes salades. Et mes oignons qui vont aller où j'ai repiqué des petits pois. Plus loin, je vais mettre des oignons. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Portez-vous bien. Et le partage est important. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.